Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Je me baladais sous le quai Sainte-Catherine et je rencontre un artiste peintre. Je commence à discuter avec lui, puis il me sort comme ça, bon malin, t'es collectionneur, mais pourquoi tu collectionnerais pas le fond de Normandie? Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Alors donc j'y réfléchis, puis bon, ouais, d'accord. Alors donc, même une petite pointe de réflexion, puis hop, j'ai pris toutes ces cartes. Et la passion, c'est-à-dire que je sais pas ce qui s'est passé, alors donc. Je me suis lancé en collection du pont. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before. C'est-à-dire que ce qui fait ma force, c'est de payer. Les gens savent que je paye, donc ils sont confiance. Ils ont confiance en moi. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, à 5h du matin, je me balade dans la rue, il fait nuit. Je regarde à travers les vitrines, je vois ce qui sort en collection. Puis le matin, bah, j'arrive quand le magasin ouvre et hop, je saute sur l'élément qui me manque. Quand Pâques arrive, c'est la date où les commerçants sortent leurs nouvelles cartes de l'année. Donc je fais mon petit tour à droite et à gauche, quoi, dans toutes les rues, dans les magasins de souvenirs. Et alors donc je regarde plus ou moins les cartes qui m'intéressent, vraiment frappantes que je n'ai pas. Mais je regarde aussi les autres qui ressemblent. Quand c'est trop dur pour lire, les commerçants sont assez gentils pour me prêter la carte. Et je la vérifie ici, hein, donc j'arrive, je mets la carte sur le dos, puis je regarde. Et alors dès là, je peux découvrir qu'il y a un point, une virgule, un numéro, ceci, cela. Alors donc, je retourne chez le marchand et j'achète la carte. Voilà. Voilà, ce sont trois cartes postales identiques, comme vous pouvez le constater. Mais derrière, c'est le hic. Mais comme j'ai bonne mémoire, je lis dans le kiosque et je regarde. Alors donc ici, vous avez les codes barres, ce n'est pas ça. Le texte, ce n'est pas ça. L'éditeur, ce n'est pas ça. C'est dans le texte. Ici, vous avez le pont Normandie, simple. Il n'y a pas de point. Ici, il n'y a pas de point. Et ici, il y en a un. Voilà. Je vais vous faire voir l'étagère de ma vitrine qui comporte les dés du pont, quelques briquets. Puis moi, jusque-là, ça s'arrête là. Voilà, je vous l'allume. Paf. Et c'est parti. Voilà, alors donc là vous avez pratiquement totalité de dés à coudre du pont avec des variantes, d'accord, une variante. C'est-à-dire que vous avez un dé qui ressemble à l'autre, mais seulement avec la bague en or. Ceci, voilà. Voilà. Vous avez les briquets en bas, des fèves, il y en a quatre. Et puis voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir ma petite mallette chérie.
avec les haies. Voilà. Parce que si on n'a pas les clés, rien à faire. C'est pas à tout le monde que je la fais voir celle-là. Vous avez de la chance. Voilà. Ah, ma petite collection de pièces en argent française. Voilà. Alors là, vous avez quelques pièces de 5 centimes écrasées avec le pont dedans. Voilà. Alors donc là, vous pouvez constater que ce sont des médailles de pont avec les euros. Vous avez cette pièce, celle-ci, 20 euros. Je suis riche. Hein. Voilà, ce sont des médailles du pont, des euros du pont. Voilà. Vite fait, bien fait, toc, toc, toc. Et voilà. J'enchaîne. Sur le médaillé spécial. Voilà, ce sont toutes les médailles du marathon. Vous les voyez bien? Et tous les ans, je demande à monsieur, que je ne citerai pas de nom, de me remettre la médaille. J'ai jamais couru. Je ne peux pas faire 10 mètres en courant. Voilà. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Il n'y a pas de voleur. Et donc là, il y a les matos. Alors j'enchaîne sur ces fameuses tongs qui plaisent beaucoup aux gens. Ça les amuse de les voir. Moi, ça ne m'amuse pas beaucoup, mais tant pis. Voilà. Ça vous plaît ? Sinon, je peux vous faire voir la collection du pont du photographe du coin qui m'a vendu un album noir et avec dedans toutes les cartes postales dédicacées du pont de Normandie. Vous voyez. Ce qui est bien, c'est que ça tombait juste pile poil à la fin. Le nombre de cartes concernant. Vous prenez autant de pages jusqu'à la fin. Ça s'est bien terminé cette histoire. Il faut que ça se termine parce que bon, ça commence à coûter cher tout ça. Chaque travailleur du pont avait une récompense et lui était remis un coffret de pins que j'ai chassé environ une bonne dizaine d'années parce que c'est introuvable. Alors donc, je l'ai. Super. Je l'ai. Je peux dire que je l'ai. Parce que celui-là, je l'ai attendu longtemps. Qu'est-ce que je peux vous faire voir maintenant? Voilà, tout juste. Le saucisson du pont. Que vous pouvez toujours trouver en commerce. Très intéressant. Vous voyez le rapport entre un saucisson et le pont? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous ne voyez pas? Il n'y a aucun rapport, même, je pense. Une chose très importante pour moi, et alors c'était ce fameux boulon que les ouvriers, en construisant le pont, ont laissé tomber par terre. Et le docteur, mon docteur, hein, l'a pris, l'a ramassé, l'a daté. Il date du 2/21/95 et il me l'a offert. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
motherfucker.